Allez. Mante de Dieu. Allez, on va faire la crème. Tiens. On va faire la crème. C'est fini. Il y a un truc là. Tu as trouvé? Mais donne un peu. C'est pour la crème pour les enfants, je donne un peu ça. C'est ça. Tiens. Ok. Mais moi j'ai dit à Sophie, j'espère que Willy va pas venir à des minuit pour chercher les enfants parce que moi je suis fatiguée aussi, hein. Mais je comprends. Hein? Ouais, je comprends, tout à fait, c'est normal. Parce que je sais qu'il devait passer chez son copain pour à l'anniversaire. Je dis peut-être il va boire et puis il va venir comme plus tard, peut-être il va aller dormir chez sa mère. Mais ça, je lui dis oui bien, hein, je dis parce que moi, ça va pas ça. Hein. Et maintenant les deux petits gangsters vont manger et se détendre avec leur mamie. Le dîner était bon mais un peu trop beige. Beige? Oui, macaroni et thon beige. Le pain aussi était beige. Ah non, j'avais pris du pain blanc. Combien ça, hein? Et la salade, elle était verte? Non, ça peut être. Mais la glace vanille en dessert, bon. Beige encore. Ouais. Moi, je veux de la sauce au chocolat de la couleur, un minimum de gaieté. Il n'y a que le soir qu'on mange tous ensemble. Alors, il faudrait que ce soit moins triste. Quoi? Bien, je m'en souviendrai. Sois heureux, hein, rien ça. Je voudrais être en désaccord avec toi. Petit bonhomme, rien. Mais j'ai trouvé ton nom, c'est pas que tu deviens un vrai cordon bleu. Merci. Alors, Annie a repris ses études. Encore. Tu veux, toi? Elle passe quoi? Oui, une maîtrise? Licence. Ah oui. Tu auras plus faim quand papa va venir, hein. Dis donc. Il faut une raison précise. Oui. Je vais crever, moi. Non. On dirait qu'on m'a fait un sort depuis que votre père est mort. On dirait que j'attrape toujours quelque chose comme si on a envie de débarrasser de moi. Mais non. Bah, on sait jamais, hein. Alors, t'as plus jamais téléphoné? Il n'a pas mon téléphone. Hein. Maintenant, ça commence à s'éteindre avec lui. Hein. Tu ne téléphones plus. C'est fini tout ça? Non, moi j'ai rien. Non, mais moi il me téléphone. Il n'y a pas besoin qu'il me téléphone. Il n'y a rien à voir avec lui et c'est tout. Moi, il ne s'est jamais intéressé à sa fille ni à ses petits-enfants. Et là, je mets vraiment une croix. Même à ses propres enfants. Une croix. À ses propres enfants, c'est déjà au diable. À ses propres enfants, il le fait avec la même femme. Donc, s'il était déjà comme ça, c'est pas qu'il y aurait eu un changement. Le colonel a débarqué à la maison et il comprend qu'il est toujours en vie. Ça m'étonnerait qu'il approuve que tu aies renoncé aux études pour servir dans un bar. Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un serment de papa? Mais lui peut dire maman, il a de la chance qu'il est tombé sur une femme comme ça. Parce que s'il était tombé sur une Zaïroise, une femme simple comme moi qui doit travailler dur pour avoir l'argent, il aurait eu dur. Maman, quand papa, nous on était petits comme ça, il nous tenait aussi, il nous donnait à manger. Il était humain quand même. Ou il était presque jamais là. Hein? Jamais? Hein? Il n'était pas là pour changer les couches, il n'était pas là pour donner à manger, non. Il était très macho, il venait comme ça, il était travaillé en bassin, il venait, les enfants étaient lavés et tout ça, mais non, pour ça pas. Il les prenait, mais il nous prenait quand même, on va à la piscine. Non, il n'allait jamais à la piscine, il n'avait pas d'aller à la piscine. Mais on allait où? Et à la mer non plus. Et on allait où? Ben, faire un tour, lui c'est pour aller boire un verre. Hein. Donc parfois on allait, lui il allait où il buvait un verre, mais avec ses enfants. Pas toujours, quand il avait un peu d'argent, mais autrement, rarement. Rarement quoi, mais il était plus... au niveau de son travail, l'argent, aller sortir, hein, comme ça. Moi, il me prenait quand j'avais l'argent. C'est bien ça. Quand il n'y avait pas l'argent, c'est pas lui qui allait m'emmener quelque part et tout ça. Quand j'avais l'argent, alors il venait. Non, ça c'est assez. C'est de trop après tu vas vomir.
Donc c'était déjà dur ici et quand vous êtes arrivé au Congo, c'était encore plus dur alors. Plus dur. C'est encore plus déjà dur. Déjà ici, imagine-toi, je suis une jeune femme de 9 ans et demi plus jeune que lui. Mmh. Il demandait déjà de sortir une fois par semaine, que je l'ai laissé sortir une fois par semaine pour s'amuser et tout. Et t'avais des enfants, tu te rends compte? Hein, déjà j'avais 5 enfants, ils ont été tous sortis. Et lui, il voulait encore aller s'amuser. Hein? Mais quand tu dis ça, et quand on est parti au Congo, et qu'au début, nous, on était petits, on ne pouvait pas comprendre ce qui se passait à ta. Maintenant, tu dis la vérité, mais quand j'ai regardé, par exemple, les enfants qu'il a fait, c'est aussi sur pas beaucoup de responsabilité, mais j'aime les enfants, mais avec quoi tu vas les nourrir? Tu as une pension. Ma femme est enceinte, oui, non, c'est que tout quoi. Tu as fait les premiers enfants. Les premiers enfants ont resté là-bas, ça ils ont vu que. Merci mamie. Ils ont vu que en étant avec leur père, il n'y a plus leur mère, ben c'était, ils étaient devenus dégradés. On va mettre dans l'évier pour laver. Dégradés au point que. Nous, on souffrait. Quand tu es revenu nous enlever cette souffrance. Après, chacun de nous a voulu partir. Et même quand je suis parti et que je vois que papa a refait des enfants, mais les enfants là, il a laissé une épave comme maison, que c'est le général qui a payé et que lui, si il pensait d'avoir la responsabilité qu'il fait et à ça, ben il aurait eu peut-être 4-5 maisons pour tout le monde. C'est tout quoi. Eh ben Vincent, ouais, tu sais quand j'avais été chez une femme qui dit l'avenir, et déjà il y avait déjà des problèmes, hein. Elle m'avait dit que j'allais pas voir vieillir mon mari, et que regarde là il bouffe ses papiers, ah là là. Je disais que quand j'avais été chez une vaillante là, qui dit les cartes. Voilà. Vas-y. Attends, je vais être calme, Vincent, ça va pas aller autrement. Pas. Je vais vous mourir. Mourir aujourd'hui. Ce sont des glaires qui ne passent pas. Hein. Mais c'est comme si tu as tes branches qui est bloquées. Mais tu vas aller prendre. Mais je viens à peine de prendre le sirop, il faut attendre jusque demain. Hein. Ouais, ça va le aller. Le sirop. Non, et alors cette vaillante, Descartes, elle avait dit vous n'allez pas voir vieillir votre mari. Et il n'allait jamais savoir s'en sortir. Il allait avoir des enfants avec différentes femmes. Et il allait mourir pas vieux. Et qu'il allait avoir des enfants. Et moi j'avais dit à Claude, hein, ton frère, là, ton cousin Germain, là, il n'aime pas ton cousin Germain. Mon frère, je dis non, c'est pas ton frère, je regrette. Mais je dis, il ne s'en sortira jamais. Parce que même, il a envoyé tous les enfants ici. Il n'a jamais envoyé un rond pour les enfants, pour l'école. Rien. Et je dis, et là-bas, il va encore demander de l'argent à ses enfants. Ouais. Et il fait des enfants là-bas avec une autre femme, qu'il est marié maintenant avec. Bon, c'est son droit. Non, mais quand viens, je... Cartier, heureusement. Viens. Amène-le. Qu'est-ce qu'il veut? Amène-le. Il est fatigué. Allez, c'est fini maintenant. C'est très fini maintenant. C'est le film. Et alors, attention. Je disais, regarde, il n'a jamais su envoyer de l'argent pour les enfants. Ah. Maintenant, il va demander, il se marie avec une Africaine, il fait plein de gosses, il a 77 ans, 76 ans. Ouais, et puis, il demande encore à ses enfants, qui ont déjà des problèmes ici en Belgique, d'envoyer de l'argent. Et ils sont au chômage, eux-mêmes n'ont pas les moyens. Ça, je suis d'accord avec toi. Je dis, vous trouvez ça normal? Non, moi, je suis d'accord. Non, tu restes ici. Je suis d'accord parce que...
Quand, bon, moi, un moment, après moi, j'ai vu, j'ai dit, ah, mais papa, à quel âge il a eu ses enfants pour savoir qu'il avait une petite retraite? Après, j'ai dit, même si tu as l'amour des enfants, mais tu dois quand même penser aux arrières, surtout en Afrique, où il n'y a pas d'infrastructure. Et quand le général m'a dit... Mais n'allez pas sauter sur mon lit, hein, là-bas. Quand le général m'a dit, c'est lui qui a acheté ça. Donc, c'est, il a la responsabilité, il a eu ça grâce à... Grâce à son ami, quoi. Sinon, c'était galère, quoi. Tu vois. Et ça. Mais, hein. Donc, je disais, non, attends, mets-toi d'abord, je vais t'expliquer d'abord. Regarde, non, galop. Oh, monsieur, viens ici, monsieur. Monsieur. Bon, écoute, regarde, tu sais, quand je voulais te parler là de ça, tu comprends ce que je dis? Ouais. Mais non, je comprends pas. Tu as été dans l'air. Mais je dis avec son. Elle saute sur les gens, elle gueule, hein. Non, mais dis pas faire ça. Bon, j'espère. Non, il fait ça à la maison, quand il était petit. Non, mais quand tu dis ça, moi je me rends compte à quel point. Que quand le général il a lu mon livre, la première page, qui m'a dit Vincent, non, c'est moi qui ai acheté la maison. C'est là, moi il ça. A pris des boîtes, ça va laisser. Hein, c'est moi qui ai acheté la maison, c'est moi qui a ça, c'est moi qui a mis ton père à l'ambassade. J'ai compris que le général avait un grand cœur. Et que moi j'ai dit tonton, là, si on avait. Non, j'ai dit tonton, si on avait un papa comme toi, on ne serait jamais là où on est. Si on avait un papa comme le général, jamais. Lui, il n'a jamais tapé ses enfants, le général. Même Serge, qui était le plus bandit. Il les a tués, tu vois. Depuis que vous êtes ici, il aurait déjà pu faire une fois les démarches pour que, après 11 ans, qu'il voit pas son. Après 22 ans, il ne voit pas son plus jeune fils. Il est parti à 5 ans et demi. Il aurait pu aussi une fois envoyer le billet ou faire venir ouais, ici. Non, d'accord. Jamais. Non, je suis d'accord. Non. Oh, pardon. Pardon, excuse-moi. Oh. De le van. Oh. Le van. Tu veux que je te mette en prison? En prison? Bon, reste calme alors. Reste calme, je t'ai à l'œil. Hein. Je t'ai à l'œil. Regarde, je t'ai à l'œil. Tu te calmes, hein. Tu te calmes, reste ici. Tu te calmes. Hein. Bon, qu'est-ce qui va pas? Dis-moi. Dis-moi qu'est-ce qui va pas, la thérapie. Qu'est-ce qui va pas? Parle à tonton. Tonton, il parle avec les esprits. Dis-moi qu'est-ce qui va pas. Allô? Allô, bonhomme? Bonhomme. Là, s'il avait envie petit de, bonobo. D'aller chercher ses copains, t'es un bonobo. Le prendre, d'aller chez sa mère. T'es un bonobo. Non, un bonobo. Bonjour. Allô, non, ici. Non, ici. Comme là. Ici, là. Parce que s'il va chez sa mère direct, et puis il va dire, il sort, sa mère oh, viens ici. Moi, je suis pas bête, tu sais. Ah, regardez. Et le voilà, le petit bonhomme qui est, hop, regarde, tic-tic. Attends, non, rien. Hop, et voilà le deuxième qui veut monter. Attends, mets bien, attention, vas-y, monte ici. Quand il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire, après il se met à pleurer. Allez. Oh, attention, il tombe pas. La terre va te casser, hein. Attention, allez, hop, ici. Attention, doucement. Tiens, pas qu'il tombe. Bon, ça va, tu es bien tenu. Hop, attention. Attention, et regardez maintenant. Allô, bonjour. Maintenant, à toi maintenant. Hop, on va regarder. À toi. Coucou, yeah. Coucou. Bonjour. Tu vas bien? Coucou. Mais là, c'est à toi, ouais, à toi. Coucou, yeah. Coucou. Et il pleure. Oh. Bon, allez. Descends un peu de la vanne. Descends. Parce que. La petite. Bébé. Oups là. Et voilà le petit gangster. Il est reparti. C'est sa cousine, Rachel. Et voilà la beauté de notre soirée en famille. Donc, c'est mon rêve. Quand j'aurai 60 ans, j'aurai un enfant de 5 ans. 60 ans. J'aurai 60 ans, j'aurai un enfant de après. Donovan! Mais Donovan, tu vas arrêter maintenant!
Rachel, 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 tu t'imagines, il y a des moments, parfois, je reste chez moi, je suis dans mon esprit, et je me dis, ah, mon rêve, ah, d'aller vite au Sénégal, marier une belle Sénégalaise, lui faire un enfant. Mais après, là, j'ai calculé, je fais ça à 50 ans. L'enfant, il aura, non, quand il aura 10 ans, j'aurai 60 ans. Quand il aura 15 ans, j'aurai 65. Mais on continue toujours à me payer, hein, comme chef de famille. Et après, je le vois grandir jusqu'à il a terminé quoi, ses études. Ça aura encore du travail à faire. Hein.